Donc ici, on va continuer sur l'unité 1. Alors, vous écrivez unité 1, leçon 5, suite. Vous écrivez la date et vous écrivez l'heure. Alors ici, on va continuer sur les équations exponentielles avancées. Équation exponentielle avancée. Ça veut dire des équations un peu plus compliquées, hein. Donc, on va faire ici que des exemples. Donc, écrivez exemple. Et on va faire premier exemple. Je vais le mettre ici. Exemple A. Alors, disons que j'ai l'équation suivante. 9 exposant 5x moins 1. Elle est égale à 27. Exposant 2x plus 4. Alors, vous voyez ici qu'est-ce que j'ai? J'ai une fonction exponentielle égale à une autre fonction exponentielle. Vous voyez, c'est une fonction exponentielle égale à une fonction exponentielle. Donc, ça, c'est le premier exemple. Fonction exponentielle égale à fonction exponentielle. Donc, on va l'écrire ici. Fonction exponentielle égale fonction exponentielle. Exponentielle. Et moi, je cherche le x. Le x est dans les deux fonctions exponentielles. Alors, bien sûr, ici, vous voyez, je n'ai pas la même base dans les deux fonctions exponentielles. Je n'ai pas la même base. Si j'avais la même base, eh bien, j'ignore les bases et je fais ça, on l'a déjà fait avant. Je n'ai pas la même base. Donc, alors, première étape, tout simplement, réduire à la même base. Quelle est la base que je vais prendre? La plus petite. Donc, je vais faire ici, étape 1. Étape 1. Réduire à la même base. Réduire à la même base. La base, qui est la base ici, c'est la plus petite. On va devoir la même base. La base est la plus petite base. Et la plus petite. Plus petite. Toujours la base, ça serait la plus petite. Alors, quelle est la base ici de la première? C'est 9. La première fonction exponentielle, la base, je mettrai C égale à 9. Quelle est la base de la deuxième fonction exponentielle? Sans C, c'est 27. Donc, la base, encore une fois, je ne vais pas revenir à ça. Vous devez savoir ces termes-là. La base, l'exposant, la puissance. Sinon, regardez les vidéos avant. Alors maintenant, première étape, réduire à la même base. Comment on va faire? Eh bien, la base, c'est 9. Eh bien, qu'est-ce que je dois faire? Je dois chercher un nombre, 9, exposant un nombre, que j'appellerai A, qui doit être égal à 27. Donc, la base, la plus petite base, exposant un nombre A, doit être égal à, ou bien je vais faire exposant N, bah, pas A, mais j'écrirai N, exposant M. 9, exposant M, est égal à 27. C'est ça ce que je cherche. Je cherche un nombre, 9 exposant un nombre égal à 27. Alors, bien sûr, ce que je cherche est dans l'exposant. Je cherche l'exposant, donc c'est les logarithmes. L'exposant est dans la gorge, donc qui va sortir l'exposant de la gorge d'un exponentiel, c'est le logarithme. Et la forme logarithme, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, je suis comme ça. Log, j'ai une base. Tu dois me donner une puissance, je te donne l'exposant. Pourquoi? Parce que la puissance, l'exposant, c'est le logarithme. Donc là, la base, c'est 9, donc je mettrai ici la base 9. La puissance, c'est 27, je mettrai ici 27. Et l'exposant, c'est m, donc j'ai m ici. Donc le nombre que je cherche, m, il est égal à quoi? Logarithme de 27. Base 9. Et là, je fais le calcul. Il suffit que je parte à ma calculatrice. Alors, je fais logarithme, parenthèse 27, qui divise logarithme de 9. Je ferme la parenthèse. 1,5. Donc, vous voyez, mon M, maintenant, j'ai trouvé. Donc, 9 exposant 1,5 doit me donner 27. Eh bien, voilà, j'ai trouvé ce que je cherche. Maintenant, j'ai la même base. Alors, deuxième étape maintenant. Regardez, j'ai trouvé le M. Et j'ai trouvé 27 égale à 9,1. Donc, maintenant, deuxième étape. Deuxième étape. Étape 2. Écrire l'équation avec la même base. Écrire l'équation avec, ça c'est étape 2, hein. Écrire l'équation avec la même base. Alors, qu'est-ce que je vais écrire? Eh bien, j'ai mon équation, c'est quoi? 9 exposant 5x moins 1, donc j'écris 9 exposant 5x moins 1, égale 27, je mets 27 entre parenthèses, exposant 2x plus 4, je crois, exposant 2x plus 4. C'est ça mon équation.
Mais moi, je sais que 27, je sais que 27, elle est égale à 1, est égale à 9 exposant 1,5. Et bien, qu'est-ce que je vais remplacer? Le 27 ici, je vais le remplacer par ça. Donc, je l'écris 9 exposant 5 et x moins 1. Elle est égale à, parenthèse, 9 exposant 1,5 et exposant 2x plus 4. Ce 9-là aussi, je le mets entre parenthèses parce que c'est un exposant. Et qu'est-ce que je dois faire maintenant là? Je dois faire la loi des exposants, l'exposant de l'exposant, dans ce côté-là. Dans ce côté-là, je dois faire l'exposant de l'exposant. Qu'est-ce que je dois faire? Donc, attention, toujours mettez ça entre parenthèses, hein, parce que ce sont des termes, il faut les mettre entre parenthèses. Alors, l'exposant de l'exposant, qu'est-ce que je dois faire? Je multiplie les exposants, ça vous le savez. Donc, je l'écrirai 9 exposant 5x moins 1 égale 9 exposant 1,5 qui multiplie 2x plus 4. Ça, c'est un x. Hein. Et qu'est-ce que j'ai maintenant? J'ai la même base. Du moment que j'ai la même base, je les barre les bases. Qu'est-ce que ça va me rester? Ça me restera 5x moins 1 égale 1,5. 2x plus 4. Et maintenant, c'est une équation de niveau 9e année. Qu'est-ce que je dois faire? Je fais la distributivité. Donc, ça me donnerait 5x moins 1 égale à 1,5 fois 2, ça me donnerait 3x. Plus 1,5 fois 4, ça me donnerait 6. Alors, je termine ici. Donc, maintenant, mon équation, c'est 5x moins 1 égale à 3x plus 6. Donc, je fais ce 3x-là, je le ramène ici. Le moins 1, je le ramène de l'autre côté. Donc, ça me donnerait 5x moins 3x est égal à 6 plus 1. Ça me donnerait 2x est égal à 7. X est égal à 7 sur 2. Et ben voilà, cette fraction ne se réduit pas. Et bien voilà, j'ai trouvé mon équation, j'ai trouvé mon x. Donc, vous voyez les étapes. Les étapes sont vraiment très faciles. Je vais les répéter encore ici, mais vous voyez la vidéo. Premièrement, j'ai vu que mon équation, c'est une exponentielle égale à une autre exponentielle. Et alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois réduire à la même base. La base est la plus petite. Toujours, je prends la base la plus petite. Et puis, je trouve. Alors, on va faire un autre exemple. Et puis, je vous donnerai des exercices. Okay? Bah, faites-moi premièrement ces exercices. Ouais, je vais faire un autre exemple et puis je vous donnerai des exercices. Donc, maintenant, exemple 2. Alors, exemple 2. Eh bien, je vais prendre maintenant... Je prendrai un autre exemple. Je prendrai 25 à la 3x égale à, voilà, c'est ça, est égal à 125 à la 4x moins 1. Même chose ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai une fonction exponentielle est égale à une fonction exponentielle. Qu'est-ce que je dois faire? Réduire à la même base. C'est ce que j'ai dit, la première étape, qu'est-ce que je l'ai appelé? Réduire à la même base, c'est ça, prendre la plus petite. Donc, première étape, réduire à la même base, à la plus petite base. La plus petite. C'est-à-dire, on va réduire à la plus petite base, les deux. Alors, vous voyez que le x est dans l'exposant dans les deux. Quelle est la plus petite base? C'est 25. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire 125. J'écris 25. Exposant un nombre m, elle est égale à 125. Comment je trouve mon m? Les logarithmes. Donc, je mettrai logarithme de base 25 de 125, il est égal à m. Voilà, je trouve mon m, je pars à ma calculatrice, je fais logarithme de 125 qui divise logarithme de 25. Et je ferme la parenthèse, ça me donne, encore une fois, bah, c'est une coïncidence, m est égal à 1,5. C'est une coïncidence. OK. 1,5. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Deuxième étape. Alors, j'écris m est égal à... Donc, je vais effacer ici, c'est pas la peine que je pars à une autre page. Je prendrai, j'écrirai maintenant 25 exposant. Qu'est-ce que je viens de trouver? Je viens de trouver que 25 exposant 1,5, ça me donne 125. C'est ce que je viens de trouver. Deuxième étape maintenant. Écrire l'équation avec la même base. Écrire l'équation avec la même base. Alors, comment je vais écrire l'équation? Je réécris mes équations. J'ai 25 exposant 3x. Elle est égale à 125 exposant 4x moins 1. Attention, ceux-là, je dois les mettre entre parenthèses.
toujours mettez, quand vous voyez deux termes, mettez deux, celui-là, je ne vais pas le mettre entre parenthèses parce que c'est un seul terme. Celui-là, j'ai 4x et moins 1. Donc, je dois les mettre entre parenthèses. Alors, je continue ici. J'ai 25 exposant 3x. Elle est égale. 125, c'est quoi? C'est 25 exposant 1,5. Donc, je l'écris ici. 25 exposant 1,5 exposant 4x moins 1. Alors là, je dois faire les lois des exposants dans le deuxième côté parce que j'ai exposant d'un exposant d'une multiplication. Donc, ça me donnerait ici 25 exposant 3x égale 25 exposant 1,5 fois 4x moins 1. Et qu'est-ce que je fais? Maintenant, la base est la même, j'ai le droit de les barrer, et j'ai les exposants qui vont être, ça me ferait 3x est égal à 1,5 fois 4x moins 1. Et là, ça me donnerait quoi? 3x est égal à 1,5 fois 4, ça fait 6. Donc, 6x moins 1,5. Alors, bien sûr, ça me donnerait quoi? Sur moins 6x moins 6x, ça me donnerait moins 3x est égal à moins 1,5. Et là, ça me donnerait x, elle est égale à 1,5 sur 3, je crois, c'est... Alors, je ne veux pas me tromper, donc 1,5 divisé par 3, c'est 0,5. Ben voilà, j'ai trouvé mon x est égal à 0,5. Donc, voilà les étapes à suivre. Maintenant, je vous donne des exercices à faire. Exercice. Résoudre les équations suivantes. Alors, résoudre les équations suivantes. Alors, les équations suivantes, j'ai 4, alors, x moins 2. Elle est égale à 8, à la 3x plus 1. Première équation. Deuxième équation. Alors, la deuxième équation que j'ai. Encore ici. 9. Exposant x plus 3. Elle est égale à 81. Exposant 5x moins 2. Et troisième équation. Alors, celle-là. Exposant 25, 2x moins 3 est égal à 343. Exposant 4x moins 4. Alors, vous faites ces trois exercices-là. Et puis, je vous donne un défi. Donc, 4, c'est un défi. Modéré 4 est ici, tout. 4. J'ai 2, alors. 3x plus 4 est égal à 3 à la 5x moins 1. OK? Donc, faites cet exercice aussi. C'est un exercice. Il se peut que vous ayez de nombres à virgule, c'est aussi bien. Et c'est ça. Alors, je vous donne ces exercices. Alors, faites ces exercices-là, c'est les quatre. Je vous donnerai un cinquième. C'est toujours bien de pratiquer. Je vous donnerai ici 1 sur 7 à la 3x plus 1. Il est égal à 343 à la moins x moins 4. Voilà. Alors, ce sont ces cinq exercices à faire. Alors, faites ces exercices. J'aimerais les voir dans votre cahier. Allez, bye.